اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah, aujourd'hui encore une fois, dans ce cours portant sur la biographie du messager, nous allons ouvrir un autre chapitre et entrer à la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, lors du dernier cours, on avait abordé la prééminence de la raison du messager sur toute autre raison. Et aujourd'hui, on va aborder un chapitre en fait, qui peut constituer une suite logique par rapport au cours de la dernière fois, puisqu'en fait, ce cours d'aujourd'hui, ou bien en tout cas le cours de la fois passée, constitue en fait le berceau, constitue en fait le réceptacle de ce qu'on va traiter aujourd'hui et qui est l'étendue de la science du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on avait parlé la dernière fois de la raison et c'est la raison en fait, c'est l'esprit qui est le réceptacle de la science. Bon, maintenant, il y a un débat que le Coran a posé depuis pratiquement des millénaires. C'est en fait entre le cœur et ce qu'on pourrait appeler la raison. Quel est en fait le véritable réceptacle de la science? Le Coran, dans son jargon qu'il utilise le plus souvent, considère en fait, le cœur plutôt que la raison comme l'élément, comme l'organe en fait, qui fait l'acte de réflexion. Il le dit « Quloubun yaqiluna biha ». Très souvent, le Coran répète en fait ce syntaxe-là ou bien, c'est-à-dire ces termes-là. « Quloubun yaqiluna biha », c'est-à-dire des cœurs qui réfléchissent. Donc cela en fait a posé un débat sur l'acte de réflexion. C'était le cœur qui le faisait ou bien c'était la raison ou bien le cerveau comme on a l'habitude de le dire. Donc c'est un débat que le Coran avait posé il y a de cela des millénaires. Inch'Allah, peut-être que si nous avons le temps, nous pourrons en fait le consacrer, c'est-à-dire un cours où on va traiter en fait de ces deux aspects-là, Inch'Allah. D'accord. Donc aujourd'hui en fait le cours que l'on va aborder ce sera sur l'étendue de la science du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est-à-dire, d'emblée, on reconnaît que le message en fait était quelqu'un qui était doté d'une très grande science et d'une compréhension également fine, ce qu'on appelle al-fiqh. Et là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, c'est-à-dire, il a accordé une faveur immense au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a accordé en fait une faveur immense. Il dit, wa anzalallahu alayka al-kitab. Il dit Allah a descendu sur toi le livre et la sagesse, ce que les savants en fait considèrent aujourd'hui comme la sunna. Et il dit et il t'a enseigné ce dont tu n'avais pas de connaissance. Et c'est en fait à ce moment-là qu'Allah t'a enseigné ce dont tu ne savais pas. Et ça, c'est le Coran et la sagesse. Il dit, c'est à ce moment-là, en fait, que la faveur qu'Allah soit à la ta accordée a été immense. Donc, c'est-à-dire, c'est juste pour considérer que la faveur d'Allah soit à l'égard du messager, c'est quoi? C'est en réalité lorsqu'il lui a accordé la science du livre, également la sagesse, ce qu'on appelle la sunna. Donc, Allah soit à la lui-même le dit, c'est-à-dire, en faisant le témoignage sur le messager, mais à l'égard du messager, il dit, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il dit in huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit n'est que révélation. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire le témoignage qu'Allah fait à l'égard du messager, lui attestant en fait de sa science. Il dit encore dans la sourate An-Najm, allamahu shadidul quwa. C'est-à-dire c'est lui qui a assuré la médiation, c'est lui en fait qui a été bon, c'est-à-dire c'est lui qui a joué le rôle d'intermédiaire dans l'apprentissage ou bien en fait c'est-à-dire dans l'éruction du message, c'est qui? C'est Jibril. C'est Jibril, il le nomme en fait Shadidul Quwa. D'accord, donc en fait, c'est l'ange Gabriel. Donc c'est un de ses,
C'est un de ses noms. Donc, c'est lui, en fait, qui a été l'intermédiaire entre Allah Ta'ala et le message salam, par rapport, en fait, à son érudition. Donc, il faut aussi, c'est-à-dire, par rapport à la première partie de ce cours, considérer que, comme on l'a dit tout à l'heure, que la science, en fait, est la plus grande faveur qu'Allah Ta'ala a fait au messager. Donc, c'est-à-dire, cette science qu'Allah Ta'ala lui a accordée, en fait, et qui lui a, en fait, enseigné de par Jibril alayhi salam, cette science-là était en fait le plus grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, en fait, ce qui en atteste, c'est que on voit qu'à chaque prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam avait donné ce qu'on appelle al-mu'jiza. Donc, ça dit une preuve, ça dit évidente. À chaque messager, Allah sallallahu alayhi wa sallam avait accordé cette preuve-là qu'on appelle al-mu'jiza. Donc, c'était en fait comme un miracle, en fait, que rien par rapport à l'époque, ça dit ne pourrait détrôner. En référence à ces miracles-là, Allah SWT avait accordé à Moussa quel miracle, à Moïse quel miracle. C'était le serpent. Mais avant le serpent, c'est-à-dire avant qu'il ne soit serpent, c'était un bâton. En sahou. Donc Allah SWT avait donné en fait à Moussa, c'est-à-dire à Moïse, un bâton en fait qu'il pouvait, c'est-à-dire transformer en serpent. Et c'est cet argument-là même qu'il a utilisé le jour où il s'est interposé avec Pharaon pour en fait, c'est-à-dire gagner la cause des deux sorciers qui étaient opposés à Moïse au début, mais qui à la fin ont acquis la cause ou bien ont gagné en fait, c'est-à-dire la cause de Moussa alayhi salam. À Isa également, Allah SWT avait accordé des miracles, des prodiges. C'était quoi? En fait, c'était ça. C'est-à-dire, Allah SWT avait accordé à Isa ibn Maryam le don, en fait, de ressusciter les morts. Le don également, c'est-à-dire, de guérir l'aveugle, le lépreux, ainsi de suite. Donc, en fait, c'était des choses qui étaient inimaginables à l'époque et jusqu'à présent. Aujourd'hui, guérir, par exemple, un aveugle, c'est-à-dire, ça relève du miracle. Donc, Allah SWT avait accordé à Isa, c'est-à-dire, ces prodiges-là. Et ces prodiges-là, à l'époque, il n'y avait en fait rien de pareil, il n'y avait rien de tel. Mais au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme miracle? Le Coran. On dit qu'en fait, c'est-à-dire le miracle du messager n'est pas un miracle matériel. Mais c'est plutôt en fait une science. Et c'est le Coran. C'est-à-dire c'est la science du Coran que Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam en guise de miracle. C'est pourquoi les savants parfois disent que, par exemple, ce qui montre que le message de l'islam est le message qui est à l'ordre du jour, c'est que ce qui est normal, en tout cas, ce qui est concevable, c'est que quiconque t'appelle à sa religion, il doit en réalité, avant que tu n'adhères, qu'il te montre en fait un miracle digne du nom. On dit qu'aujourd'hui, si quelqu'un voulait t'appeler à adopter la religion juive, il doit forcément en fait te donner un miracle. Et ce miracle-là qui est supérieur à tout autre miracle, ce n'est rien d'autre que le miracle de Moussa et c'est son bâton. Alors que le bâton de Moussa a disparu lorsque Moussa a disparu. Est-ce que vous voyez? Donc personne aujourd'hui ne pourrait te convaincre donc d'adopter la religion juive. Tout comme aussi en fait, ceux qui se réclament d'Isa ibn Maryam, ils ne peuvent pas te convaincre en fait d'adopter leur religion. Pourquoi? Parce que Isa ibn Maryam n'est plus là pour refaire ses prodiges pour ressusciter des morts ou bien pour guérir des aveugles ou bien des lépreux. Pour dire que aussi ce message donc n'est plus à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, quel est le message qui est à l'ordre du jour? C'est le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que lui, il est parti il y a des millénaires, il y a des centaines d'années. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire son miracle persiste toujours. Et c'est quoi? C'est le Coran. C'est le Coran qui continue en fait d'éveiller des cœurs, qui continue en fait d'éveiller des esprits. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire ce qu'on considère comme donc la science la plus importante, mais comme aussi en fait le miracle le plus important. Et maintenant, revenant sur la science en tant que telle, on dit que, c'est-à-dire pour montrer l'importance de la science, on dit que c'est pratiquement le seul caractère discriminant, le seul critère discriminant évoqué par Allah Subhanahu wa Taala pour départager les serviteurs. Il dit dans le Coran, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pareils? Il dit ils ne sont pas pareils. Donc c'est comme si Allah Ta'ala ici faisait une discrimination évidente,
une discrimination en fait sans équivoque entre ceux qui avaient la connaissance, ceux qui portaient la connaissance et ceux qui ne la portaient pas, pour dire que ces deux-là, ils ne seront jamais pareils. C'est pourquoi en fait, c'est cette science également qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est-à-dire, c'est dans cette science en tout cas qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala élève en degré certains par rapport à d'autres. Yarfa'ullahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est-à-dire, élève par le biais de la science certains en degré supérieur par rapport à d'autres. Donc c'est le seul, en fait, c'est le seul critère discriminant qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala met en avant pour départager les serviteurs. Et là, on n'a pas un meilleur exemple que l'exemple qu'on a tant cité ici, l'exemple d'Abdul Malik ibn Marwan lorsqu'il est parti faire le pèlerinage à la Mecque. Et on dit qu'en fait, cette année-là du pèlerinage, il y avait un savant qu'on appelait, c'est-à-dire, c'était un tabi'in qu'on appelait Atta ibn Abi Rabah. C'était en réalité un esclave qu'on a libéré, qu'on a affranchi. C'était un esclave, un homme noir esclave qu'on a libéré. C'est-à-dire, et vous connaissez en fait à cette époque le rang de l'esclave. L'esclave ne pouvait pas être en fait un professeur, ne pouvait pas être en fait un imam. En tout cas, ne pouvait pas être érigé à des sommets, alors qu'en fait il reste par exemple au niveau en tout cas de cette terre-là, de cette population, des hommes qui demeurent encore libres et qui ont en fait un grain ne serait-ce de connaissance de science. Mais cette année-là, bizarrement, c'est-à-dire, c'est lui qui avait l'habilitation pour donner les fatwas, pour en fait donner les avis juridiques, c'était qui? C'était Atta ibn Abi Rabah. Et on dit que lorsque l'émir des musulmans est venu, c'est-à-dire pour poser sa question à Atta, c'est-à-dire il a trouvé là-bas une file d'attente. Et il était obligé, c'est-à-dire de faire le rang, d'attendre comme tout le monde. Pourquoi? Parce que c'était la Mecque. Et à la Mecque, en fait, ce qu'on nous enseigne, c'est l'équité. À la Mecque, ce qu'on nous enseigne, en fait, c'est que tout le monde est au même niveau auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pourquoi même, en fait, on porte pratiquement les mêmes habits. D'accord, vous voyez, c'est-à-dire, tout le monde, en fait, est vêtu de blanc pour montrer que, c'est-à-dire, tout le monde est égaux devant Allah Subhanahu, ou bien, c'est-à-dire, tout le monde est égal si j'accorde par la syntaxe, ou bien par, c'est-à-dire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, accord sémantique, par le sens. Donc, tout le monde sent quand l'accord est sémantique, comme on le dit, tout le monde est quand l'accord est syntaxique. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, le hajj, c'était pour montrer que, en fait, les gens sont égaux par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce jour-là, Abdul Malik ibn Marwan a fait le rang jusqu'à attendre, en fait, que son tour ne vienne. Il a posé sa question, c'est-à-dire ces deux questions qu'il avait. Et même pas, en fait, en moins d'une minute, Atta lui a répondu. Et en fait, les enfants qui l'accompagnaient ont commencé à, c'est-à-dire, se sont mis en colère. Il dit, mais tout le temps que tu as pris pour faire le rang, c'était juste pour une question pour deux questions qui ne dépassaient même pas une minute. Il leur dit, il leur donna un conseil très précieux. Il leur dit, Ya Bunay, utluba al-ilm, hatta la tatarrah li haza. Il dit, faites tout pour acquérir la science pour que vous n'ayez pas demain à supporter, c'est-à-dire ce préjudice-là. C'est-à-dire, faites tout pour acquérir la science pour que demain vous n'ayez pas à faire un rang. C'est-à-dire, vous n'ayez pas à faire le rang durant une heure de temps pour juste poser une question de deux minutes. Mais bon, il ne faut pas le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Il leur dit donc, c'est-à-dire, faites tout pour acquérir la science de sorte que demain vous n'ayez pas à subir ce préjudice-là que j'ai subi. Puisque j'avais une question de moins de deux minutes et pourtant, ça m'a pris en fait une heure de temps. Et il dit, c'est-à-dire, hakaza al-ilm yarfa'u, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens qui l'ont en science, c'est-à-dire en degré supérieur par rapport à d'autres. Et ce qui a élevé cet homme-là qui était Atta ibn Rabah à ce degré-là, par rapport à l'émir, par rapport au khalif, c'était en fait par rapport à la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donnée. Donc ça, en fait, on dit que la science élève en fait en degré supérieur par rapport à d'autres. Et même, c'est-à-dire, sur cet aspect-là, on comprend donc pourquoi le messager et à un rang supérieur par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce qu'il était en fait le plus empreint parmi les hommes de la science. Donc il était en fait, c'est-à-dire, le plus savant parmi les gens. C'est pourquoi on comprend qu'il était aussi le meilleur des hommes. Il était en fait le plus élevé en rang par rapport aux autres. C'est pourquoi on dit que la seule chose qu'Allah soit a demandé au messager d'invoquer son augmentation, c'est quoi? Al-ilm. Il lui dit, waqul Rabbi zidni ilma, et dit, Seigneur, augmente ma connaissance, augmente ma science. Mais quelle science? Quelle science? Est-ce que c'est la science des mathématiques, la science des physiques, la science de l'astronomie? C'était quelle science?
En fait, on dit que ça veut dire que c'était la science, la vraie science, la science complète. Quelle est la science complète? On l'avait dit la dernière fois en parlant de la raison. C'est-à-dire montrant que l'intelligence était différente en fait de la raison. L'intelligence était partielle, la science était, c'est-à-dire la raison était plus globale. Et même pour la science également, on va faire cette différenciation. C'est-à-dire on peut avoir une science par rapport à un domaine, mais la science que la Santala fait référence ici, c'est quelle science? C'est la science complète. C'est-à-dire c'est la science qui guide l'individu sur le droit chemin. C'est cette science-là qui est importante. Il le dit, c'est-à-dire dans la sourate Al-Fatiha, « Ihdina surat al-mustaqim »« Guide-nous, Seigneur, sur le droit chemin. »« Surat al-ladhina an'amta alayhim » C'est-à-dire le chemin de ceux dont tu as comblé de tes faveurs. Et quelles sont les faveurs de la sourate Allah? Parmi ces faveurs-là, il figure en première ligne la science. La science. Il le disait au messager, « Wa kana fadullah alayka azima » Allah Ta'ala t'a accordé une faveur immense c'est-à-dire en te faisant, en fait, en te donnant c'est-à-dire de la science. Donc Allah Ta'ala aussi, c'est-à-dire les gens aussi qui sont sur le droit chemin, demandent à Allah Ta'ala de les guider sur ce chemin-là, mais en fait, comme il avait guidé les gens à qui il a accordé sa faveur. L'autre chose également, Allah Ta'ala le dit dans la sourate Ar-Rum. Il commence en fait le verset en disant voilà qu'il n'a accès à la ya'lamoun. Allah Santa nous dit que la plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas. C'est comme si en fait on lui disait mais pourtant ils ont une science de ce bas monde. Ils connaissent parfois les mathématiques, parfois c'est les physiques, parfois en fait c'est la sociologie, ainsi de suite. Il dit ya'lamouna zahiran min al-hayati dunya. Ce qu'ils connaissent là, ce sont en fait des choses qui ont trait à ce bas monde. Min, et utilise ici en fait min qui, c'est-à-dire qui spécifie, qui montre que. C'est-à-dire, il ne maîtrise même pas c'est-à-dire tous les domaines. Il ne maîtrise qu'une infime partie en fait de leur domaine. Aujourd'hui, on peut être sociologue, mais en réalité, on ne maîtrise pas toute la sociologie. Loin de là même, on ne maîtrise en fait qu'une infime partie de la sociologie. Et généralement, c'est le sujet, c'est-à-dire au niveau duquel on a fait sa thèse ou bien on a fait sa recherche. Qui est un sujet parmi des millions et des millions d'autres sujets dont on n'a pas en fait une pleine maîtrise. Est-ce que vous voyez? Allah Sattar donc le dit. C'est-à-dire, ils disent que donc ces gens-là ne connaissent pas. C'est comme si on lui disait, mais Allah Sattar, il maîtrise certains domaines. Il dit, ce qu'ils connaissent là, c'est juste une infime partie de ce bas monde. Walakin anil akhirah, par contre, par rapport à ce qui relève de l'au-delà, ils en sont des ignorants. C'est-à-dire, par rapport à des sciences qui leur permettent en fait c'est-à-dire de parfaire leur relation ici-bas par rapport aux individus, par rapport à leur environnement, par rapport en fait, c'est-à-dire aux créatures que l'on ne voit pas, par rapport également à l'au-delà, il dit, par rapport à ces connaissances-là, ils en sont insouciants. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, nos découvertes scientifiques n'ont fait qu'empirer la situation des hommes, mais en réalité, ils ne l'ont amélioré que peu. Certes, on a vu que, par exemple, il y a c'est-à-dire, dans certains domaines, les améliorations sont notoires. Par exemple, si on prend le cas de la médecine, je le disais souvent, c'est-à-dire, on dit que si aujourd'hui l'humanité peut s'estimer à 7 milliards et quelques, c'est parce qu'on dit la médecine a fait de grands progrès. Parce qu'au début, en fait, il y avait un taux de mortalité énorme, mais la médecine a beaucoup réduit. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, si on compare parallèlement au progrès de la médecine, on voit que aussi, ce que les accidents-là ont tué, c'est-à-dire ce que la route a tué, ce que les cieux avec l'avion ont tué, c'est-à-dire pratiquement ça avoisine les progrès, ou bien ça balance les progrès que la médecine a fait à côté. Est-ce que vous voyez? C'est comme si donc on n'avait pas progressé en réalité. Et Allah Satan nous l'avait dit quand il parlait dans la sourate Al-Hadid, quand il parlait en fait du fer. Il dit wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Certains savants disent qu'Allah Satan, en parlant de ce verset-là, c'est-à-dire du fer, de Al-Hadid. Le fer aujourd'hui est à l'origine pratiquement de toute la technologie. Tous les composants, en fait, c'est-à-dire le monde industriel aujourd'hui repose sur le fer, c'est-à-dire l'acier, comme on dit. Donc, parce qu'on dit que le fer à l'état minéral, le fer, en fait, c'est-à-dire est un minéral qui ne peut rien à lui seul. Mais par contre, c'est-à-dire c'est l'acier. Et l'acier, ce n'est rien d'autre que le carbone associé à du fer. Donc, c'est ce qui donne l'acier. Et aujourd'hui, l'industrie. Le cœur de l'industrie, c'est quoi? C'est l'acier en réalité. Allah Santal le dit donc, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, tout ce qu'on utilise comme voiture, comme avion, sont faits à partir de l'acier. Allah Santal le disait il y a pratiquement des millénaires, des siècles. Il dit, wa anzalna al-hadida, c'est nous qui avons descendu le fer comme minéraux. Mais il dit, fihi ba'sun shadid, il y a dans ce fer-là un grand mal.
ومنافع للناس et quelques bénéfices, c'est-à-dire et quelques intérêts. Les savants disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ici, a privilégié le mal qu'il contient plutôt que les bénéfices. Aujourd'hui, si on a pu tuer des millions de personnes en un instant, c'est grâce en fait à ces éléments-là, pour dire que donc, les méfaits, en fait, c'est-à-dire, sont au-delà en fait des avantages. Donc, je laisse le frère faire la bénédiction à ce sujet. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc, en fait, je disais que la science, en fait, qu'Allah soit à la demander au prophète de demander son augmentation, c'était la science complète et c'était la science qui nous guidait sur le droit chemin. L'autre chose également, c'est-à-dire le message également provenait par rapport à la science, c'était le danger d'acquérir une science sans pratique. Et ça, en fait, le messager a mis en garde les compagnons par rapport à ça. On raconte dans un hadith qu'un jour, en fait, les compagnons ont demandé au messager, c'est-à-dire posé des questions au messager alors qu'il était sur le minbar. Faradiba, fasaïd al-minbar. Le messager, en fait, les questions ont commencé à se multiplier et il s'est mis en colère et il est descendu du minbar. Il dit, faqal, la tas'alouni al-yawma an shay'in illa bayantuhu lakum. Il dit, aujourd'hui, il n'y a pas une chose que vous m'avez demandé, si ce n'est en fait, je vous ai donné la réponse, c'est-à-dire, je vous ai éclairci la réponse, la situation. Il dit, c'est-à-dire, c'est Anas qui raconte le hadith, il dit, et je commençais en fait, par rapport à ces propos du messager, à regarder dans l'assemblée de gauche à droite. En fait, je regardais comment les gens réagissaient par rapport à, c'est-à-dire ce que le messager a dit. Pourquoi? Parce qu'il était en colère. Il dit, aujourd'hui, il n'y a pas une question que vous m'avez posée, si ce n'est je vous ai donné la réponse. Lorsqu'il a dit ça, les gens, en fait, ont commencé à pleurer. D'accord? C'est comme si, en fait, ils avaient frustré le messager. Anas dit, j'ai regardé de gauche à droite pour voir la réaction des compagnons. Et je voyais qu'en fait, certains étaient en train même de pleurer parce qu'ils sentaient qu'en fait, ils avaient offensé le messager. Il dit, et quelques temps après, il y a un bédouin. Un arabe qui s'est levé, c'est-à-dire un arabe qu'on appelait très souvent par le nom en fait autre que le nom de son père. Vous savez que les arabes, par exemple, quand tu es, supposons que tu t'appelles Mohammed et que ton père, par exemple, s'appelle Ibrahim, on dit Mohammed ibn Ibrahim. Mais en fait, cet arabe-là, en fait, on le surnommait d'un autre nom, c'est-à-dire d'un nom autre que celui de son père. Il a demandé au messager, c'est-à-dire dans la foulée, qui est mon père? Le messager, il lui dit, ton père, c'est Huzafa. Donc, le messager, en fait, a répondu à la question de cet homme-là. Et Omar s'est levé. Lorsqu'il a vu la situation, Omar s'est levé, il dit, Raditu billah, ou radina billah rabban, ou bil islami dinaru bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiya. Omar dit au messager, c'est-à-dire que nous acceptons, nous agréons l'islam comme religion, nous agréons d'abord Allah sallallahu alayhi wa sallam comme Seigneur, l'islam comme religion, et toi également comme messager. Pourquoi Omar a dit ça? Le hadith-là, en fait, laisse imaginer plusieurs interprétations. Mais ici, on en tire deux leçons. D'abord, c'est-à-dire la question, pourquoi le messager s'est mis en colère, selon vous? Pourquoi le messager s'est mis en colère et pourquoi également Omar a réagi de la sorte? Le hadith, en fait, c'est-à-dire on a du mal à le comprendre ou bien il y a plusieurs interprétations par rapport à ce hadith. Pour vous, qu'est-ce qui a causé la colère du messager? Ah oui. Sûrement les gens qui posaient les questions, ce n'étaient pas des questions qui n'avaient justement. Par rapport à quand tu posais les questions, qui n'avaient pas été. Ok. Bon, en réalité, c'était ça. En tout cas, bon, c'est la compréhension que les savants ont eue de ce hadith-là. Pourquoi le messager s'est mis en colère? C'est parce que les gens posaient beaucoup de questions. Et ces questions-là, en réalité, ils n'avaient pas trait avec la pratique. Parce que même, c'est-à-dire dans la fin du hadith, il dira quelque chose qui est similaire, en tout cas qui est proche de ça. Et lorsque Omar a compris ça, parce que parfois les questions aussi peuvent prêter en fait à confusion. Parce que si je te pose des questions, c'est comme si je n'avais pas confiance en toi. C'est pourquoi lorsque le dernier a posé sa question, Omar s'est interposé pour dire au messager que nous acceptons l'islam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, l'islam comme religion et toi également comme messager. Donc c'est comme si en fait c'était pour le rassurer que nous n'étions pas en train de douter de ton message. Est-ce que vous voyez?
Donc c'est pour ça en fait que Omar radiallahu anhu s'est interposé après la question du dernier pour rassurer le messager. Pourquoi? Parce que parfois quand il y a beaucoup de questions, parfois celui à qui tu poses ta question peut avoir le doute, peut douter en fait de ta bonne foi par rapport à ce qu'il dit. Donc là en fait les savants ont dit que c'est-à-dire ce hadith là en fait, la raison de la colère du messager, c'était par rapport aux nombreuses questions en fait que les gens lui ont posées. Et il le dira même après en fait la réaction de Omar. Il dit que ma ra'aytu fil khayr wa shar kal yawm qat innahu suwirat li al jannat wa an-nar hatta ra'aytuhuma wara al ha'id. Il dit en fait, c'est-à-dire ce jour-là, en fait, je n'ai pas vu le bien et le mal. En tout cas, le bien et le mal ne se sont pas réunis en un seul jour comme ils l'ont été en ce jour-là. Pourquoi? Parce que les gens ont posé des questions à tort et à travers. Il dit le bien et le mal ne se sont pas réunis en un jour comme celui-ci. Il dit en fait, j'ai cru même voir le paradis et l'enfer derrière ce mur-là qui était le mur de la mosquée. Les gens ce jour-là avaient posé beaucoup de questions. Et il dit ici aussi un autre aspect qui est important parfois. Quand on donne des messages, quand on répond à des questions, en tout cas, quand on prétend être quelqu'un qui doit livrer un message, il faut, c'est-à-dire, privilégier la posture de hauteur du minbar. C'est important. C'est important. Bon, c'est vrai qu'il y a des avis parfois qui divergent, mais, c'est-à-dire, ce qui est inhérent par rapport à la posture de celui qui donne un message, c'est d'être dans une posture, en tout cas, supérieure par rapport aux autres. Pour que les gens puissent être plus à même de comprendre son message. D'accord? Parce que bon, généralement, on le sent, quand tu es professeur, quand tu es en classe, parfois, tu ne peux pas rester sur ta chaise, bien que c'est plus facile. Les langues sont de beaucoup, mais d'autres comme nous. Si tu as dit, tu as dit, c'est très différent. C'est très différent. Et même l'impact que ces propos ont par rapport à celui qui t'écoute, ce sera aussi différent. C'est comme si en fait que, c'est-à-dire que tu regardais celui qui te parle et que tu ne le, c'est-à-dire que tu sois dans son assistance et que tu n'y es et que tu n'y es pas. C'est différent. L'impact qu'on a quand je vois celui qui me parle et quand je ne le vois pas, c'est très différent. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est important qu'il faut tenir en compte. Donc le messager dit aux compagnons que le bien et le mal ne se sont pas réunis en ce jour-là, c'est-à-dire comme ne se sont jamais réunis en un jour comme ils se sont réunis en ce jour-là. Pourquoi? Parce que les compagnons avaient posé des questions qui étaient importantes et non importantes à la fois. Donc il leur dit, c'est comme si aujourd'hui j'ai cru voir le paradis et l'enfer derrière ce mur. Là en fait, c'est-à-dire ce qu'on tire comme leçon, c'est qu'aussi il faut éviter de poser beaucoup de questions ou bien de poser trop de questions. D'accord? Et même à la fin de ce hadith-là, c'est Abu Qatada qui le rapporte, il dit: à chaque fois qu'il rapportait ce hadith, il ajoutait en fait le verset « Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukhum ». Il dit en fait « Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, ne posez jamais des questions, c'est-à-dire que si on vous donne les réponses, que ça vous offusque. » Question qui est bonne, si vous avez un homme, vous avez un homme, vous avez un homme. Et on dit qu'à chaque fois que Abu Qatada évoquait ce hadith-là, en fait, il y joignait le verset où Allah SWT disait que ne posez pas des questions, si vous, les questions en fait, à propos desquelles, si on vous donne les réponses, que ça vous atteigne, que ça vous refuse. Donc, en fait, il faut éviter ce genre de questions-là. L'autre chose également qu'il faut aborder par rapport à la science du messager, bon, avant même ça, il le disait à propos des Banu Israël, par rapport toujours aux questions, il disait que ce qui a anéanti, ce qui a en fait fait rentrer en perdition les fils d'Israël, c'était quoi? C'était en fait qu'ils posaient beaucoup de questions. Et ça, vous le voyez par rapport à la sourate Al-Baqarah, lorsque Moussa leur a dit de tuer une vache, c'est-à-dire d'égorger une vache, ils lui ont demandé quelle serait la couleur de la vache. C'est-à-dire, on dit que s'ils se limitaient juste au premier verset, Isbahu Baqarah, il leur aurait suffi juste d'égorger une vache, n'importe laquelle. Mais lorsqu'ils ont en fait cherché à approfondir la question, à multiplier les questions, ils ont fini en fait par avoir beaucoup de difficultés à trouver une vache jaune. Une vache jaune. Finalement, Baqaratun Safra, ils devaient finalement trouver une vache jaune. Donc, ils ont dû débourser beaucoup d'argent et aussi chercher partout sur la terre avant de l'avoir. Pour dire qu'aussi, il ne faut pas parfois chercher à approfondir les choses.
D'accord. Et maintenant, bon, le dernier point peut-être que nous allons aborder, puisque le temps nous presse un peu, c'est qu'en fait, le messager aussi était quelqu'un qui oubliait. Et l'oubli, en fait, va de pair avec la science. Mais on dit qu'en fait, cet oubli-là, c'était par la volonté d'Allah ce temps-là. Il lui disait même, ça nous ferait aucun fala, voilà, attends ça. Nous allons t'enseigner, nous allons en fait, c'est-à-dire, te donner de la science et tu ne vas pas l'oublier. Illa masha Allah, excepté en fait ce qui relève de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il lui arrivait parfois d'oublier. Et on dit que même l'oubli du messager a trait en fait avec ce qu'on appelle la légifération. Généralement, quand le messager oubliait, c'était pour une raison bien déterminée. C'était parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire voulait faire une, c'est-à-dire voulait légiférer. Et là, l'exemple qu'on donne, c'est le célèbre hadith de Zuliadeïn. On l'avait dit la dernière fois. Bon, il y a un frère qui nous avait rectifié par rapport au nombre de rak'a qu'on avait dit. On le remercie pour ça, barakallahu fi. Et c'est-à-dire, ce hadith-là, en fait, évoque que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a prié un jour. Bon. Celui qui rapporte le hadith dit que c'était en fait une des prières par rapport, c'est-à-dire des prières du soir, d'accord, al-ashi. C'est-à-dire, ce hadith-là a causé également beaucoup de divergences. Pourquoi? Parce que le terme qu'on a évoqué dans le hadith al-ashi, ça fait référence au soir. Et, c'est-à-dire, par rapport à ces prières-là, les savants ont considéré que c'était soit la prière du Zuhr ou bien la prière du Asr. Et maintenant, c'est-à-dire, la question qu'on se pose, mais comment la prière du Zuhr peut intégrer les prières du soir? Donc, ça a causé beaucoup de divergences. En tout cas, ça, les savants ont parlé sur ce hadith-là. Bon, déjà, en fait, Ibn Sirin dit qu'il a oublié la précision qu'avait fait Abu Huraira. Parce qu'Abu Huraira, il avait précisé la prière dont elle s'agissait. Mais lui, en rapportant le hadith, il l'a oublié. Mais de toute façon, il dit que c'est l'une des prières parmi les deux prières du soir. Et c'est comme ça qu'il le dit. C'est-à-dire les deux, c'est-à-dire une des deux prières du soir. Donc c'était soit la prière de Zuhr ou bien de Asr. Parce que c'était impossible, en fait, vu c'est-à-dire la nature des deux prières, de Isha et de Maghrib, c'était en fait impossible qu'il soit ces deux prières-là. Donc ce ne pouvait qu'être la prière de Zuhr et la prière de Asr. Mais maintenant, comment ces deux prières-là pourraient être considérées comme des prières du soir? Donc, c'est des questions, en fait, que les savants ont débattu. Et ce jour-là, on dit que le messager a fait juste deux rakas. Pour dire qu'aussi, ça arrive parfois d'oublier dans la prière. Il a fait deux rakas, c'est-à-dire, il a fait le salut final. Et après, en fait, les gens ont commencé à parler. Qusiratu salah, on a diminué la prière. Après, maintenant, c'est-à-dire, au début, c'était quatre rakas, maintenant, on l'a diminué, c'est deux. Les gens ont commencé à annoncer. C'est-à-dire, les autres, les compagnons, Abu Bakr et Omar, ils avaient un peu honte de dire au messager, c'est-à-dire de poser la question au messager. Ils le respectaient trop pour ça. Donc, il y a un homme qu'on appelait Zuliadeïn, parce qu'on dit qu'en fait, il avait de longues mains. On l'appelait Zuliadeïn. Il va s'adresser au messager. Pourquoi? Parce que lorsque le messager a terminé la prière, il est parti au niveau d'un des coins de la mosquée, c'est-à-dire, il a fait comme ça. C'est-à-dire, bon. Il avait une position, en tout cas, où les savants, où le hadith dit qu'il avait mis en fait ses deux mains superposées en posant la main droite sur la main gauche. Il avait également pris sa joue droite et l'a mis sur sa main gauche. Donc en fait, c'est une position c'est une posture qui paraît être comme ça. Est-ce que vous voyez? Et comme si en fait il était en colère, comme s'il était furieux. Et Zuliadeïn est venu lui dire, mais ya Rasulallah, tu as oublié Nasita am Qusira du Salah. Tu as oublié ou bien on a diminué la prière? Le messager lui dit, aucun des deux. Il était en réalité en colère, mais bon, qu'est-ce qu'il a mis en colère? On ne sait pas. Bon, peut-être aussi c'est une réaction, parce que le messager aussi, quand le wahyu, c'est-à-dire quand la révélation descendait, généralement il avait ces comportements-là. Donc il était en fait un peu à l'écart, en tout cas il était un peu isolé des autres. Il avait un comportement en tout cas un peu spécial. Peut-être aussi c'était ça. Et c'est-à-dire il a dit, rien des deux. Et après, bon, juste un moment après, il est parti voir Abu Bakr et Omar. Il lui dit, est-ce que celui-là, ce qu'il dit, c'est vrai? Abu Bakr va confirmer, il lui dit, si, tu as fait deux rakas. Donc, c'est-à-dire le message dit que donc, il s'est trompé, il a oublié. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est venu. Lorsqu'il est venu, il a fait le takbir. Lorsqu'il a fait le takbir, il a amené ses deux rakas. Donc, il a amené les deux rakas. Ensuite, il a fait le taslim. C'est-à-dire, il a fait la salutation finale. Assalamu alaikum. Ensuite, fakabbara. C'est le hadith qui le dit, fakabbara fa sajada.
Ensuite, c'est-à-dire, il a fait le takbir Allahu Akbar, il s'est prosterné, fa kabbara, c'est-à-dire, il s'est ensuite, c'est-à-dire, levé de la prosternation, fa sajada, c'est-à-dire, fa kabbara, il va encore dire Allahu Akbar, ensuite, wa sajada, il va faire la prosternation, ensuite, summa salama, ensuite, il va faire la salutation finale. Et c'est pourquoi même les savants, certains disent que quand tu fais le sujud de sahwi, c'est-à-dire la prosternation de l'oubli, après, ça ne vaut pas la peine de refaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle At-Tashahhud, d'accord. Et également, c'est Allahumma salli ala Muhammad, d'accord. At-Tashahhud, At-Tahiyyatu lillah, ainsi de suite. Donc, c'est en fait à propos de ce hadith-là que les savants ont émis ce jugement-là. Pourquoi? Parce que le hadith dit que lorsqu'il a fait les deux sujoud, ensuite, automatiquement, c'est-à-dire il a fait la salutation finale. Pour dire que donc, il ne s'est rien passé entre les deux. Mais généralement, le hadith ne peut pas évoquer tous les actes du messager. Parfois, en fait, ici, on voit que déjà d'emblée, le rawi, il a oublié de quelle prière, en fait, il s'agissait. Donc, il en va sans dire aussi qu'il peut, par rapport à ses dires également, il peut exister un écart entre la précision et ce qu'a fait réellement le messager. Pour dire que aussi, parfois, en fait, si on attaque directement les textes pour en émettre parfois des jugements, ça peut nous induire en erreur. Parce qu'ici, bon, c'est vrai que les savants se sont basés sur ça, mais est-ce que le hadith était aussi net pour laisser, c'est-à-dire sortir des jugements? C'est des questions que l'on se pose. Donc, on peut s'arrêter là. J'ai un peu allongé ce qui m'était dû. Donc, je m'excuse également pour ça.